Santa Maria. 1492. Artesania latina. Pas de manuel. Merci. Des pièces en métal, fil, trois bobines brun sombre doré, des poulies triangles avec trois trous, poulies carrées en bois, mini poulies de trous, quatre canons en laiton. Des clous avec la tête en anneau, deux ancres, ça c'est génial, les tonneaux de couleur brun et non couleur blanche comme ici, jaune blanche, ici c'est brun, ça c'est magnifique, des clous normaux en laiton avec des petits points noirs. Rond. Un fil. Ah, les cordages encore ici. On verra à la suite. Ici, des lames de bois. Donc, il y a un qui dépasse les autres. C'est celui-là. Le mât principal, donc. Qui dépasse ici un bout. On voit des lames en couleur brun sombre et à l'extérieur des lames jaunes un peu, c'est le plus petit, le plus fin je pense, les jaunes. Après on a des carrés, des rectangles et des moyens. Voilà. Le CD DVD il paraît, DVD ou CD. Donc ça nous sert à rien du tout maintenant les CD. J'ai pas de lecteur du coup, ça me sert pas du tout. Je me trouve embêté du coup. J'ai pas de tutoriel, de manuel. J'ai une préférence à 2000% pour les manuels.
en papier. Les autocollants, je pense, pour les pavillons, les drapeaux, à dessiner sur le mât, les voiles. Non, je crois que je ne vais pas utiliser du tout cela. Et le dernier paquet, les planches pour la structure du bateau, donc la quille principale, le squelette qui va avec pour former la quille du bateau. Une feuille de métal pour les détails du bateau, les voiles. On va voir tout ça ensemble. Donc, on va voir ces planches. Très, très ultra fine, donc les détails en métal, laiton, donc une feuille de laiton détaillée pour la porte, le gouvernail, tout ça, et le support et pour le canon aussi, tout ça. Voilà, doré. Les tons. Après, les voiles, donc, qui est déjà cousu, tout ça, prêt à utiliser. Magnifique, j'adore ça, les voiles, ou qui me demande de ne pas faire la couture. Un endroit pour retirer.
Un petit carré, c'est très très fine, on voit de travers. On voit de travers comme un rideau. C'est de la dentelle comme les rideaux où on voit de travers. Rectangle. Triangle. Je croyais que c'est un trapèze. C'est un triangle plié. Avec un fil qui. Ah, ça va. Au niveau couture, c'est vraiment bon. C'est très joli. La couture. En effet. Le carré. Le gros carré. Non. Rectangle plus grand, là c'est le maxi je crois, voilà le maxi qui fait 3 fois du moyen, 4 fois, il fait 4 fois et 2 fois par rapport à celui-là, donc le plus grand ici, le moyen. Magnifique couture, très très bien. Je suis content que la voile soit déjà travaillée, donc avec la couture et tout, c'est très bien, c'est magnifique. Ça évite que je fasse un truc vraiment horrible avec la couture. Voilà. Après les planches. Les planches, c'est. Ah oui, c'est pas très épais, c'est moyen. Du coup, ici, j'attendais à quelque chose de beaucoup plus épais. Mais non, sur celui-là. Donc, celui-là, par contre, il est un peu plus épais. Ouais, il est plus épais. Celui-là. Il y a un petit schéma qui va avec. Qui indique tous les pièces par rapport aux planches. Ah, il y a derrière aussi recto verso. Donc beaucoup plus épais celui-là par rapport à l'autre planche. Voilà, c'est plus fine. Donc c'est la partie supérieure de la bordure pour le bateau. Sur le pont, au niveau pont. Et là, ah, j'ai encore. Je ne vais pas me retirer. Ouais. Ah, il y a 2 planches. Je me suis dit, mais c'est hyper épais. Non, c'est encore plus fine celui-là. C'est le pont, je pense. Celui-là, c'est le pont. Et la bordure au niveau du pont, ça le pont supérieur, l'arrière plutôt. Et là, la crosse PC, on voit combien elle va mesurer. Elle fait du 2, 3 mm. Ah oui, il fait du 3 mm. Le plus. La planche la plus épaisse, donc du coup il est au même niveau que la qualité, ou l'épaisseur plutôt, parce que la qualité je pense pas qu'il fait mieux que ça, c'est les pièces, les planches utilisées par la marque Ugir qui est la meilleure du coup, où les planches sont de qualité vraiment très très bonne, c'est la meilleure qualité pour l'instant que j'ai eu. C'est du 3 mm d'épaisseur pour absolument toutes les pièces. C'est du 3 mm. 3-4 mm. Là, on va faire 2 mm ou quoi? Je vois pas bien. 3 mm, oui. C'est du 3 mm. Je sais pas si on voit. Je vais zoomer. Voilà. Voilà, c'est du 3 mm. Donc, c'est assez épais. Voilà, 3 mm
et la qualité est supérieure au niveau planche. Il est très costaud. Donc, là, de la marque Gear. Tandis que ça, c'est 3 mm aussi. Donc, c'est l'épaisseur maximum pour les maquettes que j'ai pour l'instant. Donc, c'est du 3 mm aussi. Mais la qualité du bois est moins bien que celui-là. De Ugir. Donc, sinon, l'épaisseur, c'est pareil. Donc, on va dire que c'est dans le top, donc au niveau qualité épaisseur, épaisseur plutôt. Et en deuxième, donc du coup, ça sera le deuxième. Ugir premier, deuxième au niveau qualité épaisseur. Et là, c'est notre marque, marque chinoise, je crois. C'est de Rolife. Rolife, c'est la même marque que Robotham. Voilà, Robotham, c'est la même marque. Celui-là, il fait. Il y a plusieurs épaisseurs par contre. La plus épaisse, donc c'est très rare. Oh, je vais tomber comme je veux. Donc, l'épaisseur, je crois que ça doit être pareil que les autres. Non, 2 mm. L'épaisseur, c'est 2 mm. Voilà. La qualité est moindre de Robotham ou Rolife. La qualité des planches est moins bonne que Ugir de 1 mm. Mais le bois utilisé est à peu près de même qualité. Un peu inférieur, très léger. Supérieur que cette planche-là. Mais cette planche-là à 3 mm. Après, il y a une qualité inférieure encore de la marque chinoise encore. Je repositionne comme il faut. J'ai une autre marque. Donc, du coup, No Name, on va dire. On va dire du No Name. C'est comme on a dans le chez AliExpress. Donc, c'est des bateaux qui n'ont pas de marque. En fait, c'est du pas cher. Et du coup, l'épaisseur est vraiment. Là, on va regarder l'épaisseur. Là, je crois que c'est 1,5 mm. Donc, quelque chose comme ça. Donc, je reprends qu'un autre. 2 mm. Donc, 2 mm pour la partie la plus épaisse. Ils ont plusieurs planches qui ont plusieurs épaisseurs différentes. Et il y a très peu de planches qui sont, sauf ceux qui doivent supporter les poids, où ils sont les plus épais. Mais en général, c'est les planches moins bonnes, moins épaisses. On va dire. Moins épaisses que la base de celui-là. C'est entre même pas 1 mm, 0,5 mm, quelque chose comme ça. Sinon, ça tourne autour, je pense. Attends, il y a deux planches ici. Je vois rien du tout. Moi, je suis aveugle. Donc, on va essayer cette partie pour voir. 1 mm. Ouais, voilà. C'est 1 mm l'épaisseur. Donc, 1 mm du no-name chinois. Pour très pas cher. C'est pour ça que j'ai pris. Pour passer le temps pour pas cher. Sans notice, sans notice, avec un schéma très basique où il faut utiliser plutôt la notice de votre cerveau la plupart du temps. Et le deuxième, donc, c'est du chinois aussi, de la marque Rolife, par contre, qualité assez bon, dans la bonne moyenne, donc on va dire. C'est dans du 2 mm. Il y a certaines parties très épais, dont 3 mm. Pense. Sinon, il y a du. Ouais, c'est une bonne moyenne celui-là. Il est juste après la marque Ugir, marque ukrainienne. C'est la meilleure qualité au niveau planche, matériel utilisé pour les maquettes en bois. Donc, du coup, celui-là, l'espagnol, il est juste après la marque Ugir au niveau planche principale, parce qu'il y a des planches moins épaisses.
et plus épais. C'est style chinois pareil. Donc, par contre, la qualité du bois, il est moins bien que le Whole Life, je trouve. Whole Life et Ugir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est en 3 mm. Donc, il se trouve à peu près au même niveau que le matériel de Whole Life, Robotime. C'est les planches, tout ça. La qualité, c'est à peu près la même qualité que Whole Life. Du coup, la marque Ugir, ces maquettes, ces planches de bois utilisées sont les meilleures pour l'instant, d'après toutes les maquettes que j'ai montées. Sinon, il y a du métal aussi. Voilà. Pour les planches, celui-là c'est très fine. C'est du. Combien? C'est hyper fine. 1 mm. 1 mm celui-là. Le pont. C'est le pont, ça. C'est 1 mm. Celui-là, il est passé à 2 mm, je pense. 3, ouais, 2 mm. Au toucher, on sent déjà. 1 mm. Celui-là. Et 3 mm pour le squelette du bateau. Voilà pour les planches. Donc, va mettre en bas, sinon ça va casser. Et aussi en bas. Et on va attaquer la boîte après. Je la remets en place. Ça. Donc, on passe à la boîte. Pour les détails. Contenu. C'est bon. Ouais. Encore du scotch. Voilà. Donc, encore du scotch. Ce côté-là aussi. Bon. Je vais vous montrer en détail. Bobine de fil couleur brun sombre, chocolat un peu, café plutôt. 0,5 mm. Je ne sais pas si vous voyez. On va zoomer dessus. Donc 0,5 mm. Deuxième bobine. Qui est pareil de 0,5 mm de diamètre. Ici encore du 0,5 mm. C'est du fil tressé, c'est très bien, qualité supérieure donc par rapport à tous les bateaux chinois que j'ai acheté. Mais du fil à coudre très fine. 0,1 du 0,01 comme ça. Ici 0,15, celui-là est très fine, doré. Donc je sais pas si on voit 0,15 ici. Donc l'autre 0,5, 0,15, donc c'est très fine. Après il y a un papillon pour les soirées cocktail. Après, il y a quoi? Attends, j'arrive plus avec les doigts. Ça.
dans le modèle chinois, il y a le bateau chinois aussi, il y en a aussi, mais du coup, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai même pas encore fini de monter l'autre pièce, l'autre maquette. Non, c'est une tige de laiton en doré. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Encore un papillon pour les sorties de soirée. Couleur brun violacé un peu. Donc, il y a deux nœuds papillons. Waouh, c'est hyper épais du coup. Très épais. Le poulie pour le cordage. Là, il est très épais celui-là. La qualité du bois est magnifique aussi. 3000 mètres. Plus que 3000 mètres. C'est de 4000 mètres. 4000 mètres pour le poulie. C'est de très bonne qualité par rapport aux planches. Petit bout seulement. Vous voyez comme c'est de qualité. Celui-là, c'est un carré. Cinq, 6000 mètres. 6 fois 6. C'est un carré cube. Après, qu'est-ce qu'il y a? Du métal pour l'encre. Il y en a deux. Encre avec un trou en extrémité ici pour passer un anneau et des cordes en l'air et du métal en fonte. Là. C'est pour le canon, je pense, pour la manche, pour pouvoir contrôler le canon. Il y en a un, deux, trois, quatre, et les quatre canons sont là, avec les anneaux, comme je disais. Ah non, je disais les anneaux, c'est pour l'encre. Donc, c'est canon en laiton doré, du coup. Est-ce qu'on peut mettre un canon dedans pour de vrai? On va essayer. Là, canon, boulette. Le boulet est trop petit par rapport au trou du canon. Donc, c'est pas pour le boulet ici, hein. C'est pour plutôt la pièce qui contrôle le canon. Cette pièce. Du coup, c'est pour insérer. Non, même pas. C'est trop large le trou du coup pour celui-là. Et ici, c'est pour les voiles ou c'est pour. Je sais, du coup, celui-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Soit c'est pour les voiles, soit pour les sortes de fenêtres sur le bateau. Je sais pas du tout. Là, c'est pour la lampe. Oh, c'est en métal. C'est en métal. C'est pour la lampe. Ici. Deux lampes qui est à l'arrière du bateau. Donc. Lourd. Là, c'est pour le pont, je pense, pour attacher le cordage. Qu'est-ce que les clous avec tête d'anneau? Il y a la clou normale, tête plate. En laiton comme toujours et cette pièce là je sais pas les seaux il y a quatre seaux normalement
C'est 3 sauts. Il n'y a que 3 sauts. Il manque une pièce ou... Il n'y a que 3. Sur la photo, je crois qu'il y en a 4. Je ne suis pas très sûr. Tonneau. Magnifique la qualité du tonneau. Il a utilisé... Ah, ça c'est magnifique le tonneau. La couleur. C'est sa couleur qui m'a plu beaucoup. C'est du cajou, on dirait. Un peu la couleur. Cajou. Alors que le petit tonneau, il est plus blanc. Mais au niveau, les détails sont pas mal du tout. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Comment je fais pour... Et le poulie carré. Je montre à qui là. Comme ça. Encore les poulies ici aussi. C'est en bois ou en plastique là? On dirait du plastique. On dirait du plastique. Les trous très petits, très fins. Voilà, c'est tout. On a tout vu. C'est en métal, donc celui-là. Oh, trompé d'endroit. Donc, j'ai pas de manuel. Ça m'embête énormément parce que j'aime bien travailler avec du manuel. Et là, ils ont mis un CD, DVD, ils m'ont dit. Et ça m'enchante pas du tout. J'avais écrit au vendeur un commentaire pour dire que j'aimerais avoir un papier. Ça n'a jamais répondu. Voilà. Bon, c'est tout, hein. Ça ferme ou pas? Ah, il y a quelque chose qui gêne. C'est quoi? Ah, je me suis trompé peut-être de façon de faire. Il faut mettre d'un côté. Et d'un côté, sinon ça passe pas. Voilà, alors, lui il est moins épais, donc on met comme ça. Voilà, on arrête ici.